Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce cinquième épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France avec pour l'objectif l'Afrique. C'est tout. Alors. Il y avait l'Anglais qui avait décidé de se bouger le fion encore une fois alors qu'on était en trêve. Donc, on va utiliser notre port de traité, hein, il sert à ça. Et on va aller chercher, on va aller le déloger, voilà. On va aller le déloger directement. Alors, on va mettre deux bataillons en défense. J'ai mon amiral qui a passé l'arme à gauche, le pauvre. Le propriétaire terrien, il est pas mal organisateur. Chantier naval, commandant naval chevronné. Ah, ça me fait chier parce qu'il est propriétaire terrien. Mais en plus, il est méticuleux. Oh. L'autre, il est organisateur de chantier et commandant naval tout court. Ah, il est trop fort. Il est trop fort, fait chier. Je veux m'en débarrasser des propriétaires terriens, mais lui, il est trop bon pour que je puisse passer à côté. Hop là, voilà. On va escorter les convois. Voilà, il faut absolument un ravitaillement. Ah. Eh bien, ils sont chers, les armes sont chères. Comment ça? Ah bah oui, effectivement. J'en exporte, mais pas non plus... Je vais faire deux usines au niveau de la Loire. On a un 35 qui est là. On va avancer sur le front, on va mettre là. De toute façon, on va tous les mobiliser. Bam. Bam. On va mettre Thomas Bugo ici. J'ai oublié personne. Est-ce que j'ai oublié des troupes quelque part? Je suis le QG de l'Angleterre, mais bon, c'est pas. Non. Ça m'intéresse pas plus que ça. Là, j'ai le Maroc qui va être au niveau de Gibraltar. Ah. Il va envoyer 5 péons. Très bien, très bien. Là, s'il bouge ses troupes, l'anglais est dans la mouise. Hein. Je sais même pas. Comment ça se fait qu'il en ait si peu? Ils ont, il y en a 109, mais il y en avait plus tout à l'heure. Enfin, quand je dis tout à l'heure, c'était la vidéo d'avant pour vous. ok, bon, ça me va. Je sais pas trop ce qu'il fout, je sais pas trop ce qu'il bouine. Par contre. Très inquiet. Ah merde. Bon, réparation, on va redemander les réparations. Et surtout, on va lui dire de libérer le pays cette fois. On va lui demander de libérer les pays de Galles. Je vais déclarer un intérêt aussi pour Mer du Nord. Et je vais voir si je peux lui faire libérer l'Écosse et l'Irlande. Non, histoire de lui donner un bon coup quand même, qu'il comprenne et qu'il arrête de m'embêter. Parce que bon, les empêcheurs de tourner en rond, c'est un peu chiant. 9 ans, prévention contre le paludisme. Allez, c'est parti. C'est-à-dire que je l'aurai en 60, c'est vraiment pas mal. Hop, on avance, on avance, on avance, on avance. On mettra la peau juste avant. Je sais pas si ça aura le temps de prendre en compte, ça a pas le temps de prendre en compte, c'est pas grave. Libérer la Jamaïque, les Bahamas, Malte, c'est pas super tout ça. Libérer le sujet. Quoi? Mais je l'ai déjà fait libérer. Attends, c'est une blague? Ah, une union douanière. Ok. J'ai rien à dire. Bon, là, je vois qu'il y a du péon. Il a rapatrié du péon. Il est pas bête. Je vais plutôt choisir comme objectif. Je vais lui demander de libérer les. L'Australie.
Le sujet, ouais, toutes les Australies. Ouais. Et la Nouvelle-Galles du Sud. Hop là, voilà, comme ça. Mine de rien, avec toutes les mines d'or qu'ils ont, l'Australie, ils fournissent un revenu qui est pas désagréable. Ouais, là, il est en train de recruter enfin, de lever une armée à la hâte, là, de recruter les conscrits, ouais, ça se voit. Là, je pourrais avancer tranquillement. Ok. On va essayer de mettre un deuxième coup assez puissant au moral de. Ah, déjà? Ah bah ça va vite, dis donc. Hein. Ah bah ça chôme pas dans le coin, les mecs, ils sont chauds. Hein. Bornéo occidental, les ressources de réputation. Toi, je vais t'envoyer là-bas. Je vais donner un petit coup de main au Maroc. Ils sont forts quand même. Hein. Ils sont qui nous sommes, c'est bien, ça me donne de la loyauté de la part de tout le monde. Oh, j'aime beaucoup. Je sais pas si en loi je vais bientôt pouvoir faire passer la République. Il y a encore un peu de travail, mais ah, j'aime beaucoup. Ok, là c'est l'Angleterre qui tente, mais bon. Que veux-tu qu'ils fassent? Ils sont 1 contre 60, là-bas ils sont. Après c'est Gibraltar, c'est une forteresse quand même. C'est badass le truc quoi. Je veux juste vérifier que là ça tienne bien, faut pas déconner. Ouais, et mes ravitaillements. Ouh, mes ravitaillements vont se faire couler, j'ai l'impression. Est-ce qu'il attaque? Non, il attaque pas. Je vais essayer d'attaquer dans ce cas. On va voir ce que ça donne. Avant de me faire prendre des ravitaillements. Là. On va en faire prendre trop parce que là. C'est serré, hein. Alors. Bon, c'est mal barré. Ils sont en supériorité numérique. Désorientation. Ah ouais. Manœuvre agressive. Oh, il prend de la perte hein, quand même. Oh la vache. Oh, j'en prends aussi. Hein. Par contre, ce que je peux faire. C'est ça? Envoyer Elzéar, pardon. Là, tout le reste, on va leur demander. Oui, c'est bien ça. C'est très bien même. Munich de Mazel, tu vas aussi, toi. T'es pas. Ok, bon. Comment demander à un de défendre au cas où? Ok, j'ai la Sierra Leone en fantoche. En affamé, je suis bon parce que j'ai pas demandé de prise demandant enfin faisant de la famille. Par contre, vu qu'il m'attaque pas, et là, vu que je prépare un débarquement, on va tout mettre en défense. Hop là. Sais pas si je l'ai gagné la bataille ici. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Non, c'est. Si on regarde pas le bon truc, ça va pas aller. Je sais pas. Je vais juste vérifier que j'ai pas de front. Pff, après cela, hein, ça on s'en fiche un peu. Non, pas toi, non. Toi t'attaques pas. Donc on a 7 jours avant le. Ok, ouais c'est ça. Et là la première je l'avais gagnée. Bon, à mon avis j'ai dû la gagner à rien, mais je l'ai gagnée quand même. Ok, là j'ai une deuxième bataille qui va se faire. Normalement je la gagne celle-là. Celle-là aussi. Parfait. Le courageux conducteur. Enfin, c'est dans le Rhône. Moins 5 d'infrastructure, est-ce que ça. Ça. Ah bah non, ça va pas. Ok, ici ça va le faire avec la voie ferrée qui est en construction. Là, j'ai deux batailles qui se gagnent bien. C'est une belle pâtée ici. C'est une pâtée, mais un peu moins belle. Mais ça reste une pâtée.
On va tenter un débarquement au Munster. Oh. Je pensais pas qu'il avait encore autant de troupes ici, lui. Salut. Épuisement. On va tenter un dans les Highlands. C'est pas grave. Là, je suppose qu'il a 3 QG différents. Donc, non, il en a 2. Et en Angleterre, il a la mer. Ouais, la mer du Nord. On va retenter, on va retenter. On va envoyer François Achille Bézène. Là en plus il tente un truc, là il va se faire plus mal qu'autre chose normalement. Ouais. Pas tant que ça en fait. Les industriels. Oui, les industriels, vous pouvez perdre un tout petit peu de bonheur, hein, ça vous fera rien de bien. Ouais, j'étais pas serein au début quand même, hein, quand j'ai vu. Allez, 7 jours, on va voir si ça a passé. Voilà, forcément. J'en ai pas qui traîne quelque part. Ah bah si, voilà, je me disais aussi. Attends, quoi? Non, je vais quand même pas me le faire prendre. Pourquoi ils défendent à 7 là? Ils sont 150, hein, faut pas déconner. Ok, par contre je vois 2 mines d'or, alors ça c'est priorité absolue. C'est de la ressource, c'est du revenu brut. On aime ça. Bon. Je vais perdre mon port de traité là, vraiment? Je perds mon port de traité en supériorité numérique, en supériorité. Enfin. C'est chelou quand même cette histoire là. Bah il semblerait bien. Ça pue là. De traité qui... Oh bon. Et il m'en fout 27 autres là-bas. Ah bah bonjour. Purée, je perds mon port de traité là-dessus quoi. Non, je peux pas perdre un port de traité comme ça. Oui, généraux déplacés. Bon, on va attendre que tous les pop-up se fassent. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais essayer de la tirer en... En Guyane, j'ai pas le choix. Quand est-ce qu'il est pauvre, lui? Non, c'est pas là, c'est là, c'est là. Et c'est... Mince, j'arrive pas à lire. Il contrôle 20% des objectifs de guerre, ça c'est pas mal déjà. Normalement il y a un truc comme quoi il est pas content parce que... Bah, s'il perd de l'argent, bah non il perd pas d'argent, bon c'est pas grave. Ok, bâtiment. On va faire premier soin. Je crois que là, hélas, j'ai pas trop le choix. Purée, il me faut de l'opium. Oh mais j'ai pas de production d'opium. ouais, bah ouais, c'est une faute de l'opium, hein. Que je ne produis pas. C'est... Je peux en importer du marché chinois, par contre. On va faire ça. On va faire premier soin. Hop, 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 hop. J'avais pas vu, j'étais en train de défiler les... 400 d'opium, oh la vache. Importation. Ok, ça c'est déjà ça. Ouais, la différence avec l'opium là, ça va faire du mal. Ah d'accord, ils sont tous barrés. Ils sont tous barrés dans les Caraïbes, les mecs. Enfin, vas-y, on a subi une défaite, là, on va aller bronzer un coup. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Désolé de vous apprendre ça, les gars.
Nouvelle précaution. Rien à foutre les propriétaires terriens, vous me saoulez. Par contre, vous êtes déjà malheureux, c'est chiant là. On a établi un nouveau front Guyane. Ok. Bon, là j'ai l'avantage. Ils veulent pas venir, genre, essayer de défendre. Je vais juste me mettre là, ici en défense. Je vais attendre un moment. Je vais voir s'ils veulent pas venir défendre leur colonie. Les attirer et faire un petit peu comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Les attirer et. Ah, ils en ont rien à foutre. Hein. Alors colonie peut tomber, ils sont en mode ça nous intéresse pas, c'est loin, on sait pas trop, on ferme les yeux, on sait pas. C'est pas grave. Pénurie de biens entrants. Ah ouais, c'est l'opium, d'accord. Les militaires coûteux, bon classique. Hein. Ah ouais, même ça. Ah, mince. Oui. Les explosifs sont coûteux là. Hop. Voilà. Révolutionnaire pendant trop temps. Les ruraux, voilà, ils vont être contents. Ils veulent pas défendre leur. Bah non, ils veulent pas. Hein. C'est fou ça. Et les Caraïbes. Fait toujours ça de prix, écoutez. Ensuite, on va faire un petit tour sur le marché. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Parce que bon, c'est pas parce qu'il y a des batailles qu'il faut arrêter de produire. Il y a besoin de fer. Ouh là, oui, il y a besoin de fer. Il y a besoin de charbon. Ouh là, oui, il y a besoin de fer, de charbon, d'outils. Ah non, d'accord, c'est des marchés qui sont mal approvisionnés. Ouais. Ici, ça se fait. Des moteurs, des moteurs, des moteurs. Ils sont où les moteurs? Je sais jamais. Pas tout, non? Bourgogne? Champagne? Limousin? Ah ouais. On va faire deux. On a dit on avait besoin de fer et de charbon là. Donc, non, bah non. J'avais besoin de. J'ai besoin d'une voie ferrée ici. Et une dizaine de fer. Et là, je vais avoir besoin d'outils. Oh la vache. Ah ouais, j'en. Ouais, on va faire deux. Et on va faire 10. Hop là, voilà. On est reparti pour quelques semaines de fabrication, c'est bien. Par contre, mon budget là, oui. D'accord, ah oui, j'ai bien, d'accord. Et j'ai un pot à consommation qui ne fonctionnait plus totalement. Si on peut refaire, on passe. Hop. J'ai ouvert un nouveau front, c'est où? Ah oui, c'est là, ouais, c'est... Oh, oh, oh. Vous voyez là? Il a envoyé tout le monde. Enfin, il a envoyé tout le monde, il a envoyé un bon paquet de péons. Donc... Invasion navale et c'est reparti, on y repart. Hein. Je veux pas savoir. Ah, on envoie tout le monde, hein. C'est. Hop hop hop. Attends, mais ça on va envoyer ou pas du coup en défense ici automatiquement, je suppose. Hein. Ouais, voilà. Ce serait bien après si j'arrive à les faire un peu traîner ici. Histoire qu'ils reviennent pas trop trop vite. À Portsmouth. J'ai pas leur temps de trajet, c'est dommage. Ce serait un peu fort en même temps, tu m'étonnes. J'espère que ça va fonctionner. Bonjour. Normalement, c'est bon. Normalement, là, ils sont sur le chemin. Hein. Déjà? Allez, faut réussir là, faut réussir, faut réussir. Je veux pas savoir, faut courir, faut réussir. Les gars, vous avez pas le choix. Vous avez pas le choix, les gars. Je suis désolé, je vous mets de la pression et tout, mais là, vous avez pas le choix. Troupe régulière de Normandie. Voilà, c'est les Normands qui s'y chargent, comme d'hab. Les Normands, ils ont l'habitude des Anglais, aux forces.
On les a envoyés il y a déjà quelques années. Ouais, il y a pas mal d'années. Puis après c'est l'inverse, puis après c'est re-l'inverse, puis après c'est dans ce... C'est un délire. Oh, j'économise le temps là. On a 0% avec 0% de morale. Ok. On a ouvert une brèche. Là c'est tout le monde. Je veux pas savoir, c'est tout le monde. Le mec qui tire au flanc, il est exécuté. Allez, on a moins de chemin que à faire pour traverser la Manche que eux là pour venir de la Réunion à ici, hein, les gars. Ah, la colonie de Volta est maintenant une colonie. Très bien. Ok, on peut faire ça ici. Merde. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est pas grave. Attends, j'escorte bien les convois là, parce que. Pff, picote hein, quand même. Ah, mais. La pose elle marche mal. Bon, c'est peut-être moi qui appuie mal sur la touche, mais c'est pas une raison. Toi, tu défends. Ah, toi, tu peux pas défendre, t'es en combat. Oh, attends, mais c'est quoi la piquette que je lui mets là? Mais attends, mais ils étaient bien nombreux au départ. Ok. Toi là, tu vas aller là-bas. Faut pas déconner non plus. Toi, tu te mets en dé. Non, je peux pas. Toi, tu te mets en défense. On a pris la capitale. Voilà, on a pris sa capitale. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Enfin, on n'a pas besoin d'aller chercher des batailles qui pourraient nous faire faire des pertes importantes. Voilà, là par exemple, là c'est gratuit. Voilà, rainurage. Un peu plus de production, c'est pas mal. Là, on va se mettre en défense. Là, on a un front ouvert. Merde, on en a un autre ici. Toi, tu vas aller là-bas. Ok. Là, c'est un front gratuit. Là-bas aussi, non. Toi, tu vas aller là-bas, vu qu'il n'y a personne qui défend. J'ai pas un péon, là, ici, qui traîne. Il n'y a pas... Il n'y a pas une hache, là. Vous me direz l'autre. Non, 5. Il défend. Lui il pousse, lui il pousse, lui il défend, lui il défend. Ok. Ah oui, non mais toi tu récupères, déconne pas. Je me disais aussi. Ah, tu vas en dire Z. I. Sa bataille sec. Voilà, on a 2000 qui se font, c'est très bien, c'est très bien. On a toujours de la construction en cours. Ok, alors. On a réparation de guerre. Ça, c'est bien. Bon, ça marche qu'une fois, dommage. On ne peut pas les avoir en double. On a libéré le pays de Galles. Ça, c'est pas mal. On lui a libéré toute cette partie-là avec Cardiff. On a libéré la Galles du Sud et l'Australie du Sud. Donc là. Et l'Australie occidentale. Ah, c'est bien ce que je pensais aussi. Je suis pas fou. Bon, t'as toujours la Tasmanie, mais bon, ça c'est pas important. Donc là, on vient d'infliger une deuxième lourde défaite. Alors, on a un peu plus galéré que la première, hein, clairement. On a quand même fait une deuxième lourde défaite aux Anglais. Comme dirait l'autre, rose beef, mais j'aime pas trop, je trouve ça un peu insultant en vrai. Je peux pas me moquer des Bretons, mais pas des Anglais. Je les aime bien. Oh merde, le printemps des peuples. Ouh, je suis un peu en retard. Excusez-moi les gars, j'ai pas vu. Ouais, bah là, si je fais ça, j'ai une révolution sur le dos. Les catholiques et les propriétaires terriens. On peut essayer, hein, mais. Mais ça pue. Ça pue clairement. Ouais, on va améliorer les relations avec l'Autriche, l'Italie, l'Egypte. Ouais, c'est pas mal déjà. Le Sahara occidental français est isolé. Quoi? C'est où le Sahara occidental français? C'est là. Comment ça il est isolé? Pénurie de clippers, carrément. Ah, on est sur une vraie... Ah ouais. Eh ben on va en faire 6.
faire 6 ports là, j'ai pas trop trop choix. Un torrent de gens et de bière. La politique anti-alcool du parti radical nuit à ses perspectives électorales, tandis que de nombreux électeurs assoiffés se tournent vers le parti malapartiste dans l'espoir qu'un changement de gouvernement mettra à terme la politique de tempérance du pays. Pas de bière, pas de vote. Yeah. Parti bonapartiste. Forces armées, hein. Ah non, dans l'église! Ouais, c'est ça, ouais. Lançons une campagne de diffamation contre ces pratiques. Ouais, tu m'étonnes, on a du vin, bah oui, tu m'étonnes. Qui a eu l'idée, qui a eu la magnifique idée de retirer le vin aux Français? Non, mais là, c'est la révolution. Il y a deux choses qui peuvent faire une révolution en France: retirer du pain et retirer du vin. Mec, t'as rien compris. Rien qu'à retirer du pain, il s'est fait prendre une révolution et toi, tu veux retirer du vin, mais t'es taré, ouais. J'ai jamais vu ça. Ok, on a les mines là qui tournent bien là. Purée, les mines de l'île. Productives. Hein. Waouh, mais j'ai la dynamite. Oh, purée, c'est vrai. Oh, j'y pense. La prochaine fois que j'aurai. Que je serais en rade d'un minerai. On prendra la limite. Qu'est-ce qu'ils me veulent les Pays-Bas? Accord commercial. On échange quoi, toi et moi? Des meubles? C'est toi qui me voles mes meubles? Mahin. J'aime pas trop, moi. On va dire oui, allez. Commandant, salut la coalition. Ouais, plus de partis syndicats. Il peut dire ce qu'il veut. Plus 1% du parti radical, c'est bien. J'ai mes élites intellectuelles dedans. Bon, et on va essayer un truc qui va faire mal. Oh là, ça va partir en révolution. Oui, fais pas traîner, on sait très bien ce que ça va donner. Je sais que vous êtes pas contents, les mecs. Déjà qu'on vous a retiré du vin. Alors, si maintenant on vous fait ça, vous allez péter un watt, non? C'est pas comme ça que ça marche? Bon, pour l'instant, ils se tiennent pas trop mal. Ah, ok, bon. La colonie britannique. Attends, tu vas pas me dire qu'ils ont déjà la. Ils ont quand même pas. Hein? C'est si rapide que ça? Ah oui, mais ils en font de moins. Ok, non, c'est parce qu'ils en font de moins. Ok, non, ils ont pas la. Ils ont pas le traitement contre le palud encore. Mais vu qu'ils font beaucoup moins de colonies, ils gagnent plus de fric. Bon, je suis encore repassé premier. On a pas mal tarné tout à l'heure avec lui là. La Nouvelle-Galles. On n'y touche pas. Faites ce que vous voulez, les gars. Les Pays-Bas. Putain, c'est pas vrai. Elles sont basses. Hein? Non, ça, elles sont basses. Ok. Mois. Alors là, à part s'il n'y a pas son nom d'un coup, je suis dans la merde. On peut pas lui couper la tête, je crois que là c'est le seul moyen, je suis pas fan, mais là, ça. Je crois que je peux pas faire beaucoup mieux que. Non mais net, hein, on va pas faire ça avec, on va pas faire ça à la scie non plus, faut pas déconner. Pensée, liberté des échanges, ouais, tout ça c'est beau, mais. Ouais, je pourrais faire aussi l'arpentage de l'isthme de Suez. Moi, j'irais chercher Suez. Hein.
J'irai chercher chez un Sinaï et on lui va dire coucou, c'est à moi. Il me dira non. Je dirai t'es sûr? Il me dira bon d'accord. Ok, alors est-ce que j'ai des pénuries? Faible accès au marché, Franche-Comté. Ah. On va faire une voie ferrée. Et est-ce que dans le Limousin. Ok, on a un petit rap de moteur. Le vert. Ouais. Ça, le vert, purée. En explosif, on est bien. On va remettre un coup, quand même. Prévisible. Par contre, le vert. Ah, j'ai du vert en cristal. Ça me ferait un peu plus de plomb. C'est l'occasion de passer mes mines de plomb. En explosif, c'est bien. Ah, ça demande quand même pas mal. Je suis au moins 200. Ça reste cher. Je vais augmenter de 2 niveaux. Ça devrait être suffisant. Ou alors un pouilla cher. Ah, voilà, une révolution. Qui sait? L'église. Oh non mais dégage, saoulez-vous. Tu veux pas attendre. Putain, et en plus, il y en a pas. Non mais tu peux pas me dire qu'ils sont tout ça. Il y a vraiment. Il y a un truc que je comprends pas dans l'évolution, c'est que. Quoi? Poids politique 18? Ils étaient à 10? Il s'est passé quoi? Non mais c'est une blague? Les mecs, ils étaient à 10! Mais. Donc, ils doublent. Moi aussi, je voudrais bien faire ça, là, sur mes élites intellectuelles, ou. J'ai pas moyen de faire un x2, là, d'un coup? Non, ça marche pas comme ça? Ou de faire un divisé par deux sur les autres? Non, ça marche pas. Non mais c'est une blague, on est d'accord, c'est une plaisanterie. C'est de très mauvais goût. C'est vraiment de très très mauvais goût. Hein. Je ne suis pas d'accord, voilà, tout simplement je ne suis pas d'accord. Ça expirera dans 6 semaines. Bah, de toute façon, la loi je pourrais pas la faire passer avant les 6 semaines. Donc autant l'avorter. Non mais ça c'est de très 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 mauvais goût, j'aime pas ce genre de blague. Ah non, ce soir on migrait vers la Bretagne. Ah bon? Vous êtes allé parce qu'il fait aussi moche, c'est ça? Quelle idée! Le village, je les vois, les. Ils vont dire non, mais de toute façon, Bretagne, il pleut que sur les cons. Ah ouais. Bah, désolé pour toi. Bon, bah, j'aurais pas réussi, c'est pas grave. Franchement, t'es en train de se faire. Ouais, c'est vrai qu'il faut de l'opium. Le mieux, c'est de prendre le Synth pour l'opium. Hein? C'est pas? C'est le cas là? Ah merde. C'est là? Hein? Bah. J'ai fumé, moi. Ah ouais, si, c'est ça, c'est bien le Synth. Le Synth pour l'opium, c'est pas trop mal. Ouais, ça me retarde un petit peu dans mon objectif. Là on est encore 54, ça fait 18 ans que la partie est commencée. On a déjà quelques belles colonies au Kenya, on a le Cameroun qui commence à avancer. Oh le Portugal, mais ils ont perdu un morceau eux. Oh. Ah ouais, ils ont perdu un morceau en Herero. Bah merde. Oh bah les pauvres. Ah, puis j'y suis pour rien pour une fois en plus. Wow. Donc quoi, des fois ça arrive. On est à 4 ans, on a fait la moitié de la technologie de prévention du paludisme. Plus? Elle est passée à 6 ans? Ah bah elle est passée à 6 ans, on a fait la moitié. Ok. Ok, on est à combien? 100 000 de PIB, on l'a à peu près doublé, c'est pas trop mal, on est deuxième. Normal, hein.
On a quand même la Chine devant, c'est 300 millions d'habitants. Pardon, presque 400 millions. C'est un sacré PIB. J'ai fait les. J'ai créé des colonies, voilà, dans le sud-ouest africain. On va voir ce que ça donne. Faut recommencer aussi à faire des colonies là. Sûrement aller choper les trois territoires à la Grande-Bretagne là. Je sais pas comment ça coûte. Ouais, là, ça me coûterait combien conquérir l'État? 7,5. Oh ouais, par contre, il y en a beaucoup qui pourraient rejoindre l'ennemi là. Attends, Autriche, Italie, Russie, Suède, Chine. Pardon, Russie, Suède, Chine. Ah! T'as pour un petit territoire comme ça là que t'es venu me chercher? Non mais. Salaud. Hein. Allez, sur ce, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour le prochain. C'était Thiob. Ciao!